the sunset view. I don't think it's that you're gonna want to. Give your arms and walk with me. Et puis sur ce, salut Jean Troy ici pour la troisième étape du Tour de France 2018, cette fois-ci avec un contre-la-montre, vous le voyez à l'écran, 24 km. Bonjour à tous, on va commencer le briefing de cette étape. Aujourd'hui, c'est un chrono par équipe qui est au programme. Je vous rappelle que c'est le temps du cinquième coureur qui sert de référence. Il faut être lucide, le contre-la-montre, c'est pas notre point fort. Essayez de limiter la casse. Exactement, alors aujourd'hui ça va être rapide, ça va être une vidéo de nouveau rapide. Et puis il faut dire que demain, ça sera comme les deux premières aussi, assez simple, basique. Et puis à partir de là, ça va commencer à être un peu plus intéressante. Et puis à partir de la dixième étape, c'est là où on va vraiment y aller. Mais jusqu'à là, il faut déjà y aller. C'est pour ça qu'il faut rester concentré, il ne faut pas se fatiguer. Et ça, c'est très important parce que là, déjà, on peut, même si ce n'est pas des étapes essentielles, c'est quand même essentiel de ne pas se fatiguer. Sinon, on est déjà mort pour les étapes qui vont venir donc en montagne. Et c'est là où on veut vraiment attaquer. C'est là où on veut voir notre équipe tout devant avec Bardet. Et bien sûr aussi pour le maillot blanc, le maillot jaune. Et puis, peut-être, pourquoi pas, tenter le maillot à pois rouge aussi. Donc aujourd'hui, ce sera difficile parce que la G2R a du mal à vraiment faire des bons chronos. Notre objectif, c'est de terminer en moins de 28 minutes 39. Ça va être difficile. En plus, il faut dire que moi, je ne les gère pas totalement, les contre-la-montre. On va commencer... pourquoi pas commencer avec Galopin en premier. La dernière Allez. Équipe s'apprête maintenant à partir. Vont-ils réussir à battre le temps de référence de ce contre-la-montre par équipe? Nous le saurons d'ici quelques minutes. Ça, c'est pas dit. C'est carrément pas du tout dit. On verra. Allez, on lance un peu. Ça sert à rien de partir plein gaz. Il faut gérer et rester bien groupé. Voilà, on a lancé un tout petit peu. N'oubliez pas de passer le relais à votre équipier. Ouais. Faire ça. Par contre, Bardet, tu dégages. Ah, mais en fait, il y avait Bardet tout devant. Ok. Bah ça, je sais pas pourquoi. Essayez de bien répartir les relais, les gars. Il faut au moins finir à 5. C'est le temps du cinquième coureur qui compte. Ok, dans 5 km, il y a déjà le premier sprint. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Le début n'était vraiment pas au top. On va essayer de vraiment encore plus maintenant se relier. Éventuellement, j'ai trop attendu au début pour les relais. Mais je voulais nous faire lancer un peu le début là. On est encore à 20 km de la fin. Bien sûr, là, on va pas faire d'avance rapide ni de coupure parce que là, je pense que ça sera... intéressant durant tout l'étape. C'est une étape assez courte de toute manière. Ok, ça va pas être facile. Ça va pas être facile pour l'instant. Niveau temps, on n'y est pas. J'allais dire usure. Niveau fatigue, on n'y est pas non plus. Ça va pas être au top. Alors attendez, par contre, Bardet là, il est pas bon. Ça non plus. Allez, c'est bien, les gars. Ah bah en fait niveau temps ça va encore. Gardez-en un peu pour la fin quand même. Ok, donc là il faut vraiment se concentrer sur la fin. Donc ça veut dire faut y aller vraiment mollo pour ceux qui en ont encore un peu. Ils vont le faire. Tac, voilà. Alors, Genèse par exemple, lui, il a encore un peu de réserve. Donc on va le garder un tout petit peu de plus que longtemps. Attention au virage. Ok, alors attention, on freine un peu, enfin on freine même pas, on lâche juste les gaz, histoire de pas trop se fatiguer. Disons pour l'instant, niveau temps, on a fait ce qu'il fallait, enfin, le premier pointage. Donc maintenant, allez, on va relancer un tout petit peu là. Vous arrivez sur un faux plat montant, allez, allez, tous ensemble. Ok, là par contre,
Alors, on va prendre Franck. Même si, bon, c'est un crimpeur, mais bon, après, c'est pas vraiment... Ça craint pas de ouf non plus. Allez, le virage bien négocié. Galopin reprend. Ok. On fait une petite relance. On va bientôt de nouveau changer. Allez, maintenant en descente. Encore 10 km. Hop, hop. Allez, allez. Pour l'instant, ça me semble pas trop mal. Disons pour la G2R à la mondiale, pour l'instant, normalement, on devrait pas être si mal que ça. On reprend Bardet vite fait, histoire qu'il nous fasse un peu monter là. Vous arrivez au deuxième point intermédiaire. Notre meilleur crimpeur. Tac, mais c'est rapide, mais juste histoire de relancer un peu. Attention, personne n'a lâché pour l'instant. Hein. On a scène lui déjà mort, donc on va reprendre. Attention, pas d'accident s'il vous plaît. On va prendre la tour qui lui a un peu de réserve encore. Il a encore 7 km devant nous. Allez, bon, on génèse, mais lui il est déjà, il a plus trop de réserve. Bon, là je pense qu'en toute façon on va plus tomber sur des gars qui ont trop de réserve. On est à 5 km de la fin. Ok, par contre là, ça va être chaud. Plus que 5 km les gars, on s'accroche. Ça sent que quelques-uns vont lâcher. Franck, on va le laisser aussi un peu. Galopin, lui, il est pas trop mal niveau fatigue. Donc c'est lui qui va un peu prendre le relais là. Mais je peux pas accélérer à donf là par contre parce que ça risque d'être dangereux. Ok. On va le laisser reposer un peu. Encore 3 km. Je le sens pas tellement. Ça va être chaud là. Bardet, lui. Ça va encore. Attention. Ouais, enfin, un bloc, t'es marrant. Ça va être chaud. On relaie un peu plus la tour qui a encore de réserve, là. Lui peut attaquer éventuellement un peu, mais ça va fatiguer forcément les autres aussi. Allez. Jusqu'au bout, on attaque. Le problème, c'est qu'il faut être au moins 5. Ouais, ok, on n'était pas si mal, normalement. On va voir. Mais selon mes calculs, pour un contre-la-montre avec la G2R à la mondiale. Pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Ah, carrément. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Notre premier maillot du Tour de France 2018. Ça fait plaisir. Avec la tour, le maillot blanc. Ok, c'était inespéré. Écoutez, je suis totalement surpris. Je pensais pas d'avoir carrément pris un maillot. Alors ça, c'était carrément... Bravo, ça c'est. Vous avez fait une bonne étape. Finir dans le top 10 alors que l'étape ne nous convenait pas, je suis très satisfait. On prend le maillot blanc. C'est tout bon, ça. Ouais, ça, je suis très surpris. Bon, la première grosse surprise de l'année 2018 à la troisième étape, maintenant. Bon, de toute façon, pour l'instant, on va le reperdre, c'est sûr. Même si on le vise après, en bout d'un moment, de quand même prendre le maillot blanc, mais... Pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt encore d'espérer, mais c'est quand même c'est beau. Là, sur le coup, c'est très très beau. Alors attendez, on va voir. Donc, ouais, on est pas si mal. On a Sen qui s'est fait un peu largué par les autres, mais sinon, on est à 3 secondes du premier, donc ça va. De la Sky, bon, bien sûr, la Sky qui remporte. Disons, on est deuxième équipe en fait. On est deuxième équipe derrière la Sky. Donc, ça. Franchement, pour la G2R à la mondiale, c'est pas mal du tout. On a une équipe, quand même, pas mal. Bah en fait, c'est même pas la tour qui le prend. Ah bah, j'avais pas compris. J'avais vu la tour, moi. Donc, on a nos deux gars devant, en fait. Pour le maillot blanc, ça fait plaisir. Même si moi, j'aurais dit plutôt le tenter avec la tour. Mais bon, pour l'instant, on a le maillot blanc, déjà. Et quand même avec 26 secondes d'avance déjà. Bon, rien n'est fait.
Mais c'est déjà pas mal. Ensuite, on prend du coup, bah, on a deuxième position. Derrière la Sky, comme dit, avec 3 secondes. Bon, maintenant on va voir ce que ça donne au général. C'est là où ça va être un peu plus important. Pour l'instant, Galopin est 7ème. Bon, on a égalité avec les autres aussi, avec Bardet. Il est 8ème pour l'instant, avec que 4 secondes de retard sur le premier. Donc pour l'instant, ça se présente pas mal du tout. Faudrait voir, par exemple, par rapport au favori. Bon, Froome, par contre, pour l'instant, lui, il est mieux encore que Bardet. Mais sinon, à part ça, on a beaucoup de gars devant, en plus. Ça, ça fait plaisir. Après, Ouais. Mais ça se présente pas si mal, honnêtement. On n'est pas si mal, là. Bon, ça, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de points. Là, on a Galopin encore avec 13 points, 16ème. Mais bon, comme dit, celui-là, on le tente pas, le maillot vert. Ensuite, ah bah oui, en effet, c'était la tour, en fait. Donc, c'était juste... un petit moment, parce qu'en fait, là, il était deuxième dans l'étape, mais en fait, il était premier. Enfin, il est premier maintenant au total, en fait. Donc, c'est bien ce que j'ai vu. Donc, c'est la tour premier. Par contre, on a nos deux gars devant quand même. Donc, on est premier et deuxième pour le maillot blanc avec 18 secondes en général sur le troisième. Et ça, c'est très beau. Et sur le quatrième, déjà 30 secondes. Donc là, on est bien parti. Pour le maillot blanc, on est déjà bien parti. Et puis, en général aussi, maintenant, on a gagné deux places. On est deuxième maintenant à 3 secondes de la Sky. Et puis, déjà à quasiment 30 secondes des suivants. Ok. Bah, très belle étape, du coup. Vous avez pris un maillot de leader. Donc, ça fait un peu plus d'énergie pour tout le monde. Tout le monde reprend à son max. Ça fait plaisir. Voilà. Ok. Bah, je vous dis... Bon, c'est une vidéo assez courte, mais c'était prévu. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur le Tour de France 2018. Comme dit, tous les jours à 14h, on se retrouve pour du Tour de France. Et puis, sinon, s'il n'y a pas de vidéo à 14h, ça veut dire qu'à 18h, il y aura normalement la suite de Detroit Become Human. Et puis sinon, une autre vidéo. Voilà. Donc, soyez présents. Et puis, je vous dis à très prochainement pour la suite de nos aventures sur le Tour de France 2018.